chez moi. Oh là là. May the Lord bless you. Que Dieu te bénisse. Oh. Quand c'est le direct, les gens rendent les coiffures. On dit c'est le direct, c'est le direct. Bonsoir Paris. We love Paris. Elle dit que les visages des gens changent directement. Pourquoi vous êtes devenu si sérieux immédiatement? Bless the Lord. Oh. Pas que le téléphone tombe dans la main de quelqu'un. Bonsoir Paris, nous sommes chez vous, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je suis avec la brigade, avec le, comment on dit, l'état-major, et Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pendant la nuit de la vengeance de l'Éternel, qui aura lieu ce vendredi 13 septembre, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Donc, nous avons ici, je vais la présenter, vous avez là, l'état-major. Voilà le coquelet. Il n'était pas au Cameroun. C'est William. Chacun de nous ici a un rôle bien déterminé dans ce ministère. Donc, d'autres ne sont pas là. Mais je bénis le Seigneur qui m'a gardé pendant le voyage, pendant la route, et qui m'a ramené jusqu'ici dans de bonnes conditions. Alors comment ça se prépare? Comment vous sentez ça? Il faut rappeler déjà à toute la France et à toute l'Europe, à tous nos bien-aimés qui viennent d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, que nous avons des rendez-vous extraordinaires. Vendredi le 13 septembre, c'est la nuit, la vengeance de l'Éternel, de 21h à 5h du matin. Après cela, nous avons le culte des familles, avec consécration des familles. Chacun vient avec l'objet de sa maison, un objet qui représente sa maison. Nous allons crier à Dieu pour cela. Le Seigneur combattra pour nous, il nous vengera. Donc ce sera dimanche le 15 à partir de 10h, c'est ça? C'est 10h. Non, le culte. Le culte familial. 11h. Donc, à partir de 11h, le culte familial aura lieu à partir de 11h. Voilà. Et ça sera des moments très forts avec le Seigneur Jésus, avec son peuple. Donc, le peuple d'Europe est béni. Vous êtes, je vous assure, vous êtes ultimement béni. La main de Dieu sera puissante. Donc, le culte des familles, c'est que nous venons avec nos familles, avec nos enfants, avec toutes nos maisons, devant l'Éternel, pour dire que l'Éternel est Dieu et qu'en dehors de lui, nous ne servirons aucun autre Dieu. Donc voilà le but du culte des familles. Ce sera un culte de consécration des familles à notre Dieu. Voilà pourquoi viens avec un objet de ta maison. Et ce sera comme si c'était ta maison qui était dans la présence de Dieu. Alors chacun va dire un mot à tous ceux qui seront là. La présentation va commencer par la CB, le commandant de brigade Angeline. Elle va nous dire comment le programme est en train de se préparer et ce qu'il faut attendre. Voilà, cette fois-ci, et voilà. Bonjour à tous. Alors, on est dans les derniers préparatifs pour cette merveilleuse campagne qui va bientôt commencer. Mmh. Donc, on vous attend nombreux le vendredi 13 et le dimanche 15. Donc là, on est vraiment à fond. On travaille d'arrache-pied pour vous accueillir dans les meilleures conditions et que le Seigneur puisse vraiment se glorifier dans vos vies. Amen. À très bientôt. Amen. Donc, là, c'est la responsable de la brigade d'Europe. Et là, je vais vous passer Schmitt, qui va aussi nous dire comment est-ce que la campagne se prépare ici. Voilà. Bonjour.
bonjour à tous et à tous. Bonjour les Européens, les Français. Bonjour à vous tous et toutes qui viendront de tous les pays d'Europe, des États-Unis, du Canada et même d'Afrique. Nous vous attendons très nombreux. Le Seigneur a quelque chose de particulier, quelque chose de grand pour chacun de vous. Venez et vous ne serez pas déçus. Vous retournerez chacun avec un grand témoignage, voire trois. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, elle parle tellement bien. La brigade est prête. Ah, je vais passer le pasteur Ketora. On a vécu un miracle puissant tout à l'heure avec elle. Elle a garé, mal garé la voiture. On est venu pour donner, pour la verbaliser, hein, pour donner l'amende. Mais quand nous avons dit que c'était sa voiture, quand ils l'ont vue, ils ont renoncé à l'amende à cause de la grâce excellente qui était sur elle. Donc, c'est une telle femme qui va vous parler maintenant. Alors, comment ça se prépare ici? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ici pour préparer avec notre Père, le serviteur de Dieu, le roi de l'Éternel, le prophète des nations, que Dieu a dépêché dans cette nation pour ce merveilleux programme du 13 et du 15 à venir. Nous vous demandons de venir en grand nombre parce que le Seigneur vous attend pour cette convocation spéciale. Il va se passer des choses extraordinaires. Croyez à l'incroyable et les choses se réaliseront. Amen. 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 Donc, vous allez la retrouver à l'église, le dernier de prière, pour la coordination.